L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même. Et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi 1er mars 2022 à Nice. Lui par la sœur Christine Pania Ndia et le diacre Achille Alago Essema et commenté par le père Gérard Akizu Kamina SVD. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1er, versets 10 à 16. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches. Eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux, quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message
annoncé maintenant par ceux qui ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saint vous aussi dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint car moi je suis saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, au chapitre 10, versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. » Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre avaient des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. La vie de tout être humain est toujours marquée par des mouvements et des changements.
Dans la plupart des cas, le changement vient toujours avec un prix à payer. La question de l'apôtre Pierre est une question bien légitime. Face aux situations pénibles de notre vie, chacun d'entre nous se pose la même question. Qu'avons-nous à gagner en devenant chrétien? Que recevons-nous en retour en décidant de suivre et vivre la vie du Christ? Les difficultés de la vie, telles que la pauvreté, le décès d'un membre de la famille ou d'un ami, problèmes de santé, la guerre, la violence, l'injustice, etc., sont des situations qui nous secouent dans notre foi et nous amènent à nous questionner sur le bénéfice de notre foi chrétienne. Nous ne devons pas nous sentir mal lorsque ce genre de questions nous viennent à l'esprit, surtout dans le moment d'épreuve. Cependant, le plus important pour nous est de nous laisser emporter par la grâce de Dieu en nous rappelant de l'assurance du Christ. Nul n'aura quitté tout sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Le Christ est notre libérateur et nous sommes confiants que dans les difficultés de cette vie, il est là avec nous et il agira. La libération que le Christ est venu nous annoncer n'est pas juste une libération future, mais une libération future qui se manifeste déjà dans le présent. À travers cette libération, le Christ veut nous faire savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est le pourquoi nous devons nous sentir récompensés en Christ. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas découragés par les tempêtes de cette vie. Nous sommes victorieux dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Il nous rassure une fois encore, aujourd'hui, de ne pas perdre espoir, car notre libération est proche. Demandons donc la grâce de pouvoir surmonter nos doutes dans l'espoir d'un avenir meilleur. Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons.